Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question, c'est quoi le respect? C'est quoi vraiment respecter? Respecter les choses, la vie, les gens, respecter. Il y a quelque chose de profond là-dedans. Parce que nous ne savons pas respecter nous-mêmes, respecter ce que nous sommes, en fait. Ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Et on le brutalise. On voudrait être autre chose que ce que nous sommes. Mais, tu vois, en n'étant pas respectueux de tout ce qui se passe, en ne les accueillant pas, en étant brutal avec soi-même, eh bien, on ne peut pas être en respect avec le monde qui nous entoure. C'est déjà se respecter soi, tel qu'on est, sans jugement, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Juste respecter parce que tu es l'œuvre de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu penses. La vie en elle-même est une œuvre que tu es à côté de tout ça. Tu es rien du tout. Donc il faut que tu la respectes. Il faut que tu respectes le mendiant sur le bord de la route, dans toute sa souffrance. Peu importe s'il est sale, s'il bavarde, s'il est injurieux, mais respecte-le. Ce que nous avons plutôt appris à faire en ce monde, c'est d'aller respecter le banquier, d'aller respecter quelqu'un qui te donnera quelque chose, parce qu'il a une prestance, une position, et on va le respecter. Ce n'est pas le respect dont je parle là. Il faudrait peut-être le mettre de côté, ce genre de respect, parce que ce respect a un intérêt, et ce n'est pas un respect en fait. C'est qu'on se soumet à la corruption. Et on donne l'occasion à l'autre d'être plus fort que soi. On donne l'occasion à l'autre d'être au-dessus de soi. On donne l'occasion aux choses de ne pas être dans l'égalité. Et c'est là où le respect n'existe pas. Ce respect dont je parle, c'est un respect envers l'être humain, pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il aimerait être ou ce qu'il devrait être, mais pour ce qu'il est. Qu'il soit égoïste, pauvre, mendiant, brutal, avare, il est là. C'est un état. Tu ne conçois pas les actions, mais tu respectes l'homme lui-même. Parce que c'est ici, dans notre société, tout ce dérespect qu'on a les uns envers les autres, et on se brutalise les uns envers les autres. On demande à l'autre d'être conforme à une norme précise, à se mouler pour que personne ne soit dérangé par leurs actions. En fait, quand on fait ça, on est violent. On brutalise les autres pour les mettre dans une position
où ils doivent obéir à la norme, respecter la norme, respecter les lois de notre société, le conformisme. C'est le seul genre de respect que nous, les humains, nous avons appris à faire. Nous ne savons pas respecter les uns les autres, la nature, les oiseaux qui volent, les étendues des océans avec tous les poissons. Savons-nous respecter? Savons-nous être un homme intègre? Le respect inclut de l'amour, de la bienveillance pour chacun. C'est sûr que quand on a l'habitude de respecter l'autre par rapport à sa position, l'autorité de mon père, l'autorité de la police, l'autorité du gouvernement, et on respecte ça, eh bien, on en pâtit aussi. Parce que là, on ne se respecte pas soi-même. On veut se mouler. On veut se faire valoir. On veut se mettre sur un piédestal. On veut être sur l'échelle sociale quelqu'un. On voudrait se faire remarquer. Et on demande du respect. Du respect pour tout ce que tu as pu faire. Comment peut-on respecter un ego arrogant? Comment glorifier l'homme dans sa destruction? Pourtant, c'est ce que nous faisons. Nous mémorons les endroits sacrés. Nous mémorons les guerres. Nous respectons la mémoire de tout ça. A-t-on besoin de respecter ça? Ou d'oublier? Oublier? Oui. C'est ça le respect. Le respect, c'est effacer tout ça. Et se remettre à être respectueux de tout ce qui se passe, de tout ce qui existe. Sans faire de mal, sans bousculer, sans juger, sans vouloir que les choses soient à ton goût. Le respect, c'est aussi de ne pas être celui qui veut, l'arrogance de celui qui veut. Lui, c'est lui qui fait que il n'y a pas de respect dans ce monde. Parce que nous sommes arrogants et nous voulons remplir un vide que nous ressentons. Et ce vide, en fait, c'est nos manques d'amour. Et parce que nous voulons de l'amour, alors nous exigeons de l'autre de l'affection, de la tendresse, de l'amitié. Et si ça ne se passe pas ainsi, alors on juge. Parce qu'on était dans l'attente, et cette attente nous a fait avoir de la déception. Et dans cette déception, eh bien on juge. On dit pourquoi tu as fait ça à moi qui suis tellement important, qui avait tellement besoin de toi? Est-ce que tu penses que tu respectes là l'autre pour ce qu'il est?
Et c'est de là que viennent toutes nos guerres, les disputes, les batailles, les divorces au sein de nos relations qui n'ont aucun respect les uns pour les autres. Parce que tout le monde veut utiliser l'autre pour être bien, pour avoir une petite zone de confort. On utilise l'autre. Peut-être qu'il faut revoir notre demande, nos actions. Pourquoi sont-elles comme ça? Pourquoi sommes-nous toujours à la quête de quelqu'un qui pourra nous sortir d'affaire et qui nous rend si agressifs? Si demandant. Et quand nous avons demandé et que nous n'avons pas reçu, alors nous sommes tristes. Nous sommes au bord des larmes parce qu'on pleure sur soi en fait. Parce qu'on est malheureux. Parce qu'on a été dépendant. Et parce qu'on n'a pas respecté l'autre dans ce qu'il est. Nous n'avons rien à demander à qui que ce soit sur cette planète. Tout être humain a le droit d'être libre, respecté dans tout ce qu'il est, sans qu'on puisse le chahuter, le brutaliser pour faire ce que nous on aimerait, pour que lui il soit à notre goût. C'est ça le respect. Et ce respect inclut beaucoup d'amour. Mais nous savons l'arrogance que nous avons au fond de nous quand nous sommes en manque de plaisir, en manque de sécurité. Nous savons comment ça se passe au fond de soi. Il y a un élément qui s'élève et qui commence à chahuter, commence à être agressif, parce qu'il veut absolument qu'il ait le bien-être. Ce bien-être est éphémère. Il ne t'appartient pas. Il t'appartient. Ce bien-être appartient à ce qui se passe, à ce que l'homme a mis en place dans le monde. Il faut que tu le laisses là où il est. Parce que rien de ce monde tu peux emmener avec toi. Tous les plaisirs que tu peux avoir ici-bas, tu ne peux pas les emmener avec toi. Il faut que tu respectes ce fait déjà. Que tu acceptes cet état de fait. Sans demander que quelque chose d'autre soit mis en place pour le confort de moi. Combien d'intégrité on a envers l'autre, envers tout ce que nous entoure. Combien de sincère on est de soi-même envers les autres. Et combien avons-nous cette miséricorde, je dirais, pour tous ceux qui ne veulent pas faire ce qui est dû de faire? C'est ça, le respect.
respect du genre humain, le laisser être ce qu'il est. Parce que quand tu le laisses être ce qu'il est, quand tu le respectes, eh bien, il a de l'espace, en fait. Et chacun de nous, on a besoin de cet espace pour être ce qu'on est, pour faire l'expérience de nos vies. Sans que quelqu'un vienne te chahuter, pour te dire « Non, ça c'est pas bien !» Fais comme on aime. Hein? Donc, tout le monde doit être stéréotypé. Et personne ne doit faire l'expérience de la vie. Parce que c'est en faisant ces expériences que tu changes. C'est en faisant l'expérience du mal que tu découvres ce qui est bon pour toi. Mais si on te dit comment tu dois être, alors tu t'efforceras d'être ce que les autres veulent que tu sois. Et c'est ça, l'état d'esprit qui ne respecte pas l'autre, c'est qu'on force les autres à être ce que nous aimerions être, ce que nous aimerions voir exister. Mais si tu aimerais voir exister tout ça, il faut que toi-même tu le vives. Il faut que tu vives ce que tu prônes. Si tu veux être aimé, par exemple, il faut que tu aimes. Non? Si tu veux recevoir de la joie, il faut que toi tu en aies. Tu peux pas demander de recevoir de la joie. C'est déjà un grand dérespect pour toi-même, puisque cette joie elle est en toi. Et tu te renies toi-même. Se respecter soi-même, c'est oublier ce qui nous est dû par rapport à ce qu'on croit devoir avoir, un droit à l'existence, un droit au plaisir. Un droit sur l'autre, un droit de respect. N'attends pas que personne ne te respecte avant que toi-même tu te respectes.